Salut à tous, une vidéo qui aurait pu rentrer dans le cadre des 3D c'est permis, mais je me suis dit non. Ça sera mieux de poser une question. Est-ce que la RTX Linux, en clair, anciennement Manjaro OpenRC, qui a fusionné avec HOPENRC pour combattre le diabolique système D, n'est pas un peu, on pourrait pas se nommer, ambition des mesures X? Oui, comme tous ces noms en X, je me suis dit autant se la jouer village d'Astérix. Astérix, ouais, pas facile à dire. Donc là, j'ai vu ce matin en me promenant sur la toile que la Archbang basée sur la RTX était disponible. Là, je me suis dit c'est une bonne occasion de voir où est la RTX. Donc je vais sur le site de la RTX et on apprend, bon maintenant c'est Your Arch, You're in it. En clair, c'est très net, c'est Arch Linux, on vient du système D et on prend notre système Linux. Ça au moins, c'est net. Ils disent juste qu'au 12 septembre, il y a un nouveau miroir primaire qu'il faut appliquer ce petit patch. Mais là, je me suis dit, est-ce que la RTX suit vraiment, vraiment, vraiment le principe d'Arch Linux? En clair, du code, enfin des noyaux récents, des logiciels récents, quitte à avoir maximum 48 heures de délai entre la publication et la disponibilité, parfois un peu plus quand c'est des gros logiciels, ne serait-ce que pour la Fly Blueborn. Vous savez, celle qui concerne les appareillages Bluetooth qui souffrent d'une faille de sécurité. Donc déjà, il faut déjà être à proximité parce que le Bluetooth, je crois que c'est 3 à 4 mètres, voire 5, dans le meilleur des cas, pour le plus grand rayon d'action. Donc déjà, c'est une faille qui n'est pas super exploitable à longue distance. Une faille dans le Wi-Fi aurait été peut-être un peu plus dangereuse. Et puis là, fouillant, en faisant des recherches rapides, je me suis aperçu qu'il y a... C'est justement par rapport au problème du protocole L2CAP. L2CAP. D'ailleurs, c'est marqué Bluetooth. Ça a été corrigé le 9. Donc, en gros, en même temps que l'annonce du Bloodborne est apparue, enfin du Blueborne, pardon, et donc c'est intégré au noyau 4950. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les noms descriptifs, parce que si on regarde dans la liste des fichiers modifiés, on voit que je le retrouve. Voilà, net Bluetooth, L2CAP, bref. En gros, le patch proposé par Linus a été proposé à l'époque du noyau 4.9.50 et l'équivalent pour le noyau stable, court terme. Donc, est-ce que la RTX propose sur ses dépôts directement, sans avoir besoin de passer par les dépôts de test, le noyau en question? Ça serait logique, parce que si on a Arch Linux, ils ont déjà le noyau 4.9.51. Du moins, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc je me suis dit, avec peut-être, allez, je sais très bien qu'ils se synchronisent régulièrement, donc on va dire, mais 24 heures de 48 heures de décalage, il doit avoir au minimum le noyau 4950 installation. Bref. Donc je ferme tout ça. J'ai récupéré l'image avec AXQT et on va lancer l'installation. Voilà. Par contre, il n'y a pas d'image ISO depuis le mois d'août. Donc j'espère que le problème annoncé sur le site officiel de d'Artix ne va pas influer trop sur les paquets. Donc là, Europe, Paris. Ah, j'adore ce grub. Et j'en profite pour répéter, bien sûr, que si vous critiquez la vidéo en sorte, en dehors que sur des faits que je vous prouve et qui sont vérifiables, il n'y a qu'une question qui me brûle les lèvres. À quand les chaussures en ciment? Voilà. Parce que si une personne présente des faits et qu'on l'attaque soit sur sa position sociale, soit sur sa position professionnelle, moi je m'excuse, il ne manque plus que les chaussures en ciment. Voilà. Donc là, nous avons une RTX qui démarre avec cette ignominie de calamares hybride. Bref, peu importe. Faut vivre avec ce qu'on a, hein. Dommage. Qui met en gros un quart d'heure à s'installer avec une bonne connexion et en croisant les doigts pour ne pas avoir de rupture de connexion entre temps. Donc là, on voit qu'on a un noyau 4941, donc sensible au cas où la faille Blueborne. Dommage. Donc je vais déjà passer
dans un affichage un peu plus intéressant, pour éviter que Calamares me fasse une gueulante. Donc, si je me souviens bien, c'est dans affichage, paramétrage d'écran. Voilà. Donc, on va mettre en 1366 par 768. Apply. Yes. Close. Et là, je vais lancer Calamares, qui est, bon, le mot de passe, c'est RTX. Là, je passe en plein écran, ça sera plus agréable. Il n'y a plus qu'à attendre que Calamares se lance. Voilà. Suivant. 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 On va mettre le partitionnement automatique. Suivant. Et comme c'est un installateur en ligne, je suppose qu'il va récupérer les derniers paquets. En espérant que ça ne va pas trop influer. Sur. Alors, on va mettre tout ça. Ça, c'est pratique. Côté bien pratique, l'installateur hybride. Hybride de mes deux. Bref, donc là. En espérant que ça ne va pas trop influer le problème du miroir indiqué sur les notes de publication de notre ami l'Artix. Donc, il y a peut-être. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Donc, je vais garder le strict minimum. Là, vous voyez, il faut faire gaffe, sinon on se retrouve avec des trucs dont on ne veut pas. Police, donc je vais tout mettre. Audio, ouais. Et impression, ouais. Bon, même si j'ai pas Bluetooth, Bluetooth pour le club, c'est pas bien grave. Suivant. Là, voilà. Donc, il est 14h00. Je vais mettre en pause et hop ça, et je vous retrouve quand c'est terminé. À tout de suite. Voilà, on est de retour 13 minutes plus tard. Il a fini, quasiment fini l'installation. Donc, on va pouvoir attaquer la post-installation et voir ce qu'il nous propose dès le départ, en espérant que ce problème de miroir pas à jour n'a pas provoqué trop d'ennuis. Allez, en égo, hop ça. Oups, ça avait vraiment démarré tout seul sans que je m'aperçoive. Même si j'avais redemandé, même si j'avais demandé le redémarrage automatique, ça surprend toujours. Voilà. Donc on ne sait pas quelle version c'est. Ça sera la surprise du chef. Donc on a toujours OpenRC 0.28. Bon, d'accord. Donc il y a les modules VirtualBox qui sont chargés, ça permet d'avoir quelque chose de plus agréable à l'affichage. D'accord, le 4944. Ça fait un peu vieux. Donc est-ce que ce serait lié à ce problème de miroir pas à jour? On va savoir ça rapidement. Donc, voilà. Par contre, je vais mettre bonne résolution parce que là, c'est pas la bonne. Parce que c'est un peu tiré. N'est-ce pas? Donc, on va dans préférences. Clac. Alors, paramètres de l'écran. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la résolution qui m'intéresse. Voilà, ça va mieux. Close. Donc, c'est un noyau 4944. Il date de quand? Ah oui, quand même. On est le 22, si mes souvenirs sont bons. Donc, en gros, le noyau a un mois. Oui. Est-ce que ça serait lié à ce putain de problème? Je repars quand je vais ouvrir un explorateur. Enfin, un terminal. Est-ce que ça serait lié à ce putain de problème de miroir pas frais? Donc, on va prendre RTX Linux. Je m'appelle plus par contre. Voilà. Je ne me rappelle pas complètement d'adresse. Donc, blablabla. Il faut activer temporairement dans pacman.com System Setting. Ok. Pseudo nano, etc.
Et on va activer. Par contre, ce qui est très bien, c'est la transparence, n'est-ce pas? Donc, on va activer temporairement System Setting. Tac, tac. Quitte à décommenter par la suite. Ensuite, ils nous disent. Ouais. Mais sudo pacman, on va bien. Voilà. Sudo pacman-sy. Bon, je ne vais pas me faire chier comme ça au moins. Voilà. Action collée. Action collée. Voilà. D'accord. Impossible de trouver la cible. Bon, on va passer par un contournement. J'ai vu qu'il y avait plusieurs. Voilà, donc on va prendre par exemple dot src. Je suppose qu'il va être aussi pour les paquets. Oui, super, repository, parfait. Donc on a des system testing OS x86-64 Antix Mirror List. Voilà, donc on a la version en date plus récente, du 16 septembre, donc c'est bon. Donc ok, maintenant ce que je vais faire par contre, c'est commenter la ligne de système testing étant donné que je n'ai pas pu y accéder. Voilà, donc je fais sudo pacman-u. Artix Mirror List. Mince. Par Y, U. Je dois qu'il y ait dérapé. Donc, on va se rendre dans CD, etc. Pacman.d. Et on regarde. Mirror List. Laisse. Normalement, il ne doit plus y avoir de. D'accord, ils n'ont même pas enlevé. Vous savez quoi? On va s'en occuper. Comme ça, au moins, on est sûr certain. Qui n'ont pas d'influence sur la suite des événements. Et là, maintenant, on va faire un sudo pacman-syyu. Pour voir si le nouveau paquet est installé. Que dalle! D'accord! D'accord. Et si on active les dépôts tests, ça donne quoi? Normalement, on ne devrait pas activer ça, mais est-ce qu'en activant les dépôts de test, on peut accéder à du code, enfin, à des. Ah, c'est ça l'ennui avec la transparence des terminaux, c'est que ça devient vite illisible. Donc, je vais activer les dépôts de test et voir ce qui se passe. Normalement, on ne devrait pas le faire parce que normalement, une arch Linux ou apparentée, ça s'utilise sans les dépôts de test par défaut. Et bien sûr, je prends tous les dépôts de test. Core est désactivé, extra, OK et community. D'accord, j'utilise toujours des paquets en provenance d'Arc. Donc là, on va faire un petit clear. Sudo pacman-syyu. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Oula, 67 paquets. Par contre, je vais mettre, je vais, par contre, je vais masquer la transparence. Ça devient maintenant insupportable, temporairement. Donc, transparence du terminal, on va mettre 0%. Non, 100% peut-être. Préférence. Peut-être ça. Non, c'est 0% que j'aurais dû mettre. Donc je vais mettre 0% de transparence. Ça sera largement plus lisible. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Et transparence d'application peut-être. Je vais mettre 0 et 0. Ah bah c'est mieux. Donc on peut constater qu'il y a, bon bien sûr, le keyring, nouvelle version de GCC. Le noyau Linux LTS 4951. Un nouveau Pacman.
et apparemment un nouvel OpenRC. Donc là, je vais procéder à l'installation. Et pendant ce temps-là, on va retourner sur ça. Parce qu'à un autre point, je voulais vous montrer, que je ne vous ai pas montré auparavant, par exemple la FAQ. Bon, là, c'est because, c'est vers systemd free.org. Pourquoi? Parce que, pourquoi avoir fait Artix? Parce que courir après Arch était une option de second choix. En forquant Arch et en coupant tout le truc lié à systemd, nous pouvons être sûrs que l'upstream, les changements upstream ne vont pas impacter négativement le projet et que systemd ne va pas se faufiler dans nos paquets binaires. Qui est Artix? Voilà. Déjà celle-là. Pour la quatrième, je vous conseille d'aller uriner avant de lire la question. What about Puce Audio? Là, il faudra peut-être m'expliquer pour Puce Audio. Est-ce que ça serait par rapport à de l'anti-Lennart Potterism complet? Ouais. Donc, si on regarde les personnes derrière Artix, donc il y a Arknus, un bot de compilation, 2, 3, 4 personnes. 4 personnes plus un bot de compilation. Bon, ça fait pas énorme. Et si on regarde au niveau, par exemple, des dépôts, parce que c'est hébergé sur GitHub, si on regarde sur système, parce que c'est lui qui s'occupe de toute la partie système de l'ensemble, on s'aperçoit que le dernier commit date du 24 août. Ouais. Qu'il y a 2 entrées à corriger. Moins, 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 moins. Et que le pull request, en clair la demande d'import vers dépôt de système, date de 28 jours. Donc en gros, ça doit faire à peu près le 25-26 août au moment où j'enregistre la vidéo. Et si on regarde dans les testings ce qu'il y a, donc on a l'apport, oui, d'accord, blablabla, bla, 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 bla. Import des Linux API headers, ok. Donc ça peut être bien que ce soit importé. Par exemple, on peut voir aussi que notre ami, je crois que c'est Chromnix, c'est ça. Alors, on va voir si c'est Chromnix, je pense, avoir reconnu son avatar. Non, c'est The Fallen Rat, donc autant pour moi. Avait demandé, il y a 26 jours, d'aller vers Noyau 4945. On est au 4951. Oui. Donc UDFD, Arachnus, Risky 2. Donc en gros, on va dire peut-être qu'il y a, ils disent, them and more, cette personne est plus, oui. On va dire les quoi, 8 personnes grand maximum derrière l'Artix. Si on prend la Arch Linux, qui sert en gros de maison mère piratée, enfin forquée. Si on regarde par rapport à l'équipe, alors, je devine Hard Griffin, où je pourrais trouver l'équipe. About Arch Linux, blablabla. Bla bla bla. Je sais plus où je pourrais trouver ça. Ouais. Faut bien occuper. Alors, voyons, est-ce qu'il y a des modifications? Oui, donc il y a pacman.conf qu'il va falloir que je modifie. Dernier truc avant de redémarrer, Community Riven. Bon, mais je sais pas. Ouais, bien sûr, c'était là. Donc l'équipe de développement d'Arch Linux, voilà, en comptant les développeurs et ce qu'on appelle les trusted users, en clair les utilisateurs de confiance, on arrive à minimum. Alors pour les développeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ça fait déjà 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 développeurs. Et pour les trusted users, on va dire qu'il y a à peu près autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait déjà 30. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 39 développeurs et 46 trusted users. Ce qui fait 85 personnes derrière les destinées de l'Arch Linux. Ouais, ça fait quand même une sacrée différence. Bon, on va redémarrer. Trêve de bavardage, on va redémarrer. Donc en gros, d'un côté 10 personnes, on va dire 10 personnes environ, et de l'autre côté 85. Ça fait une petite différence. En gros, on est dans du 1 pour 8. Ouais. Pour Manjaro, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être moins de développeurs, mais ça fait quand même bobo. Donc là, ça redémarre. Donc on a une version OpenRC 0.31.2. D'accord. Et les modules VirtualBox sont partis voir ailleurs s'ils étaient. Cruddy. Donc il faudra peut-être les recompiler. Donc on a noyau 4951. Ouais. Est-ce qu'il va vouloir me lancer ou pas l'interface graphique? Apparemment, il ne veut pas. Superbe. Donc, on va passer en ligne de commande. Sudo pacman-rcs virtual ss. Désolé pour la partie. On passe en ligne de commande. Hein. SS VirtualBox guest. Guest. Pas besoin de sudo là. Donc, on va prendre dest guest DKMS. Mais par contre, je veux pro. What? Est-ce qu'il m'aurait désactivé? Non, il est toujours activé. Ah, je vais faire sudo pacman ainsi qu'y, comme ça peut-être. Il va peut-être me trouver. D'accord, donc là. On va faire. Alors, pacman-s système test. Linux LTS headers. Mince, je ne mets pas sudo, ça va pas le faire. Oui, donc c'est bon. Donc je suppose qu'il va y avoir les paquets équivalents pour guest de KMS. Ok. Sudo pacman-rcs virtual je me demande s'il y a une nouvelle version pour Artix. Je vais essayer d'abord Galaxy Testing, voir s'il y a un nouveau paquet qui est disponible, mais s'il n'a pas installé, il n'y aura rien du tout. VirtualBox guest modules Artix. Donc, il n'y a pas de Galaxy Testing déjà. Alors, on va faire RCS VirtualBox guest modules Artix. Et on va recompiler VirtualBox guest DKMS. Si on veut avoir l'affichage dans VirtualBox.
Cool. Ça, c'était vraiment pas prévu au programme. Désolé. Guest de KMS, en espérant qu'il ne manque rien. Croisons les doigts. Donc déjà, ce qui est très bien, si on veut avoir un noyau récent, on est obligé de passer par les dépôts de test. Cool. La base installée proposée est vieille d'un mois. Recool. On voit vraiment que on peut vraiment se dire que c'est vraiment ambition des mesures X, l'article en ce moment. Peut-être que ça va bouger un peu, mais pour le moment, c'est vraiment le syndrome de l'ambition démesurée. Allez, compile-toi, mon petit gros. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Ok, sudo reboot. Et normalement, au prochain démarrage, SDDM pointera le bout de son nez. Normalement. S'il ne pointe pas, ça sera dommage. Et je serai obligé d'arrêter la vidéo en disant, ouais, mais c'est même pas la peine. Artix, ça devient DevNulix. Dommage. Mais ce serait con d'en arriver à ce point-là. Croisons les doigts pour que ça veuille bien charger l'interface graphique. Ah, ça sent bon. Oui, superbe! Voilà, obligé de recompiler le module parce qu'il n'a pas été présent. On va mettre ça sur l'absence, enfin sur la petitesse de l'équipe qui a sûrement autre chose à faire. Bon, allez! En avance! Donc, bien sûr, il n'y a pas de gestionnaire de paquets graphiques comme PAMAC ou Octopi. D'ailleurs, si on fait un Pacman moins SS Octopi, il va nous répondre quoi? Mais c'est vrai, c'est une Arch Linux, donc il faut tout gérer à la mimine. Il n'y a pas Octopi, d'accord. Et si on fait sudo pacman moins S, enfin pacman, d'accord, ça nous répond quoi? Pareil, d'accord, pacman moins S, Y, d'accord, peut-être. D'accord. PAMAKUR, pardon. Je me suis gouré. Les deux sont ressemblants, donc on va chercher PAMAK. Donc, si on veut la dernière version, il faut passer par world testing. Ouais, d'accord. On va faire sudo pacman moins s world testing PAMAK avec le train indicator, étant donné que ça va mieux dans KDE. Train up indicator. Et comme LXQT et KDE partagent du code, voilà. Donc là déjà, ça permettra d'avoir quelque chose de plus sympa. Ah oui, j'avais aussi vu qu'il y avait une modification au niveau de pacman.conf. Donc pacman.conf.pacnew. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Ok, ça c'est bon. Ah d'accord, maintenant. Le multilib est remplacé par les dépôts lib32. Donc je n'ai pas besoin du multilib dans cette machine virtuelle, mais je vais quand même profiter pour modifier le fichier PacNew. Alors on va faire sudo rm-f, etc. pacman.conf, sudo mv. Etc. pacman.conf
MV. Bah, ça sera mieux comme ça. Et là, je vais modifier le pacman.conf. Ouais, je vais quand même activer ça. Donc, je veux Galaxy Testing, System Testing, Word Testing, LibreLib 32. Voilà. On va le faire dans sudo pacman-syy. Ok. Et si on lance notre ami PAMACAUR, enfin PAMAC, pardon, ou ajout suppression de programme, et il m'a installé la mauvaise version, l'enfoiré. Il m'a installé la version 5, alors je voulais la version 6, mais nom de Zeus. Allez, têtu, hein. Ah, moi j'ai fait une fausse de frappe, c'est pas grave, je vais installer PAMAC 6. 5.1, 6.0.1. Mais pourtant, what the fuck, pardon, bizarre, donc là, c'est quand même bizarre, c'est qu'il m'installe la version 5, alors que je demandais la version 6. Alors, bon, Pacman-OS, ah, peut-être qu'il a installé la version 5, Decker, bah voilà, son indépendance. Word Testing, PAMAC. Oui, d'accord. C'est bien, ils ont bien géré les dépendances au niveau des paquets. Bravo! J'avais demandé la version 6, j'ai eu droit à la version 5. Ouais! On se voit que les package builds ont bien été gérés. Désolé. Et non, normalement, maintenant, j'ai PAMAC 6. Ah, ça va mieux. Donc, dans le dépôt, ok, Word Testing, Word, blablabla, Galaxy Testing, blablabla, Galaxy, Lib32, aucun paquet trouvé, extra, bon. Préférences. C'est quand même dommage qu'il faille activer le dépôt testing pour avoir les, vraiment les logiciels courants chez la maison mère qu'ils ont forqué. Ouais. Sur la deux versions qu'ils ont forqué, ils ont vraiment du retard. Hein. Enfin, faut dire aussi que c'est une petite équipe. Hein. Une équipe d'une dizaine de personnes ne peut pas faire autant qu'une équipe de 40. Hein. Donc là, je vais voir. Donc c'est mieux comme ça. On va rechercher, moi je sais pas, un navigateur potable. Non, je plaisante. On va mettre Firefox ici, oui. Parce que Kebzilla, hein, bof. Firefox avec le francisch. Histoire de finir la vidéo en la personnalisant un brin, la distribution. Donc Kebzilla, il va gicler. Voilà. Est-ce qu'il y a un module audio? Ouais, donc il n'y a pas d'audio. Est-ce qu'il y a Clémentine? Bon, on va prendre Clémentine. Non, je vais peut-être prendre Cantata, qui lui est en Qt 5. Et donc, il me faut le démo MPD. MPD. Le démo MPD OpenRC peut-être aussi. On va piquer. Valider. Il va falloir peut-être aussi que j'ai le MPD OpenRC pour lancer. Alors, je vais voir avec les paquets OpenRC. Dépôt. Système testing peut-être. Alors, MPD, MPD, MPD. Moi, je vais chercher MPD, voir qui va me répondre. Lib MPD client, détail. Alors, fichier. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe.
D'accord, je ne vais pas pouvoir utiliser cette release systemd. Donc, d'accord, on va le virer. Dommage. À moins qu'il y ait un MPD spécifique, mais il ne devait pas être listé. Donc, dépôt. Alors, Galaxy Testing peut-être. Galaxy. Non, il n'y est pas. World peut-être. Non, ben tant pis, je me passerai de Cantata. Non, je vais remplacer par Sonata. Donc Cantata, je vais le virer. Et je vais le remplacer par Sonata. Ah zut, il faut MPD. Mais on va mettre Clémentine. Donc là, normalement, on a Firefox qui va nous accueillir. Par contre, les polices, c'est pas ça, hein. Il y a un petit problème de police d'affiche orange. Donc au moins il y a toujours Firefox, n'est-ce pas? Et Clémentine va bientôt être installée, je suppose. Détail. Clémentine est installée, donc je vais voir si Clémentine veut bien se lancer. Donc Clémentine se lance, ok. Je vais récupérer en vitesse un album sur Alter Music et voir si ça passe bien. J'ai même pas testé le. Le réseau, ça n'a pas l'air de fonctionner par défaut. Cool. D'accord, il a manqué des greffons de GVFS. Ouais, superbe. À moins qu'il soit en train de chercher. Fin de processus. D'accord. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas un truc comme GVFS qui manque. Alors, outils système. Où se trouve maintenant ce temps pas fait. Voir préférence. Donc je vais voir si GVFS est installé. Et pourtant, est-ce qu'il manquerait Samba? Sans Samba, je ne peux pas faire fonctionner ma navigation réseau. Dommage. Donc là. On va voir ce que donne donc téléchargement. Tiens. Non, il a téléchargé. Ah, bien sûr, si je pense à téléchargement, ça risque de pas le faire. C'est quand même dommage, c'est qu'on perd pas mal en praticité, enfin, facilité d'utilisation par rapport à l'Arch d'origine. Même à la Manjaro OpenRC d'origine, on perd beaucoup, 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 énormément même, devrais-je dire, en termes de facilité d'utilisation et de souplesse. Je vois Samba OpenRC. Est-ce que Samba OpenRC est présent? Samba peut-être. Alors détail. Fichier. Donc où est-ce que je pourrais trouver le service? Ah. Etc. Conf.dsamba. Ok, donc là.
Je crois que c'est sudo rcad samba default. Non, sur SMB. Update. D'accord, sur SMB. Mercredi. SMBD, peut-être. Non plus. Oh, que c'est énervant. Oui, je sais, je pourrais regarder directement. On saura pas, je gagne tout, mais. Bon, mais genre, descends pas, je gagne tout. Ouais, c'est pratique. Le moindre truc, on est obligé de chercher gagne tout pour voir si c'est un truc. Ouais, superbe. Gagne tout, samba. C'est aussi que j'ai pas trop pratiqué OpenRC depuis pas mal de temps. Et samba, normalement, je l'avais activé par défaut. Alors, samba guide, blablabla. Alors, server configuration. C'est moi ce que je cherche, c'est le service. Kubesd, non, c'est pas ça. RC update, attends, ma default. Mais pourtant, c'est ce que j'ai tapé. D'accord, mais nous avons manqué des services. Bon, c'est pas grave. Parce que la distribution commence à prendre un peu la tête, comme vous pouvez vous en douter un peu. Parce que côté utilisation, je m'excuse de le dire, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout, même. On est très loin. Oh, mais c'est pas vrai, tu vas pas me dire qu'il y a Zip qui est pas installé. On tombe de carré, donc c'est là. Nzip n'était même pas installé. Ouais, d'accord. Donc là, je vais voir. Alors là, c'est vraiment. Désolé si la vidéo part un peu en live à la fin, mais ça commence sérieusement à m'énerver. Comme vous pouvez le constater, je garde mon calme. Ce qui n'est pas évident. Parce que toutes les manipulations qu'on est obligé de faire pour avoir un système utilisable. C'est loin d'être à la portée de tout le monde. D'accord, il n'y a même pas les greffons pour l'audio. Superbe. Heureusement que j'ai vérifié. Et je sais même pas si le son est fonctionnel d'ailleurs, tiens. Gestionnaire de tâches, c'est pas ça. Ah, tenu. Ah, merde. Match widget. Unknown panel volume. D'accord. On va mettre plus. Volume audio. Voilà. Ça sera mieux comme ça pour le volume audio. Parce que alors, apparemment le greffon pour le volume audio ne fonctionne pas. Ça continue. Alors, nous avons dit. Si vous voulez, l'impression, ça donnera qu'il y a des trucs, des personnes qui détestent l'informatique libre. Donc là, bibliothèque, on va. Outils. Préférence, voilà. Donc, bibliothèque musicale, ajouter un nouveau dossier, musique. Appliquer, ok. Voilà, donc on va vérifier que ça passe bien le son maintenant. Audio sync, d'accord. Il me manque encore des greffons MP3, mais c'est pas possible, je les ai tous mis. Non, je ne ferai pas de rage quit. Non, je ne ferai pas de rage quit. Non, je ne ferai pas de rage quit. Même si t'entends.
Peut-être que si je redémarre Clémentine, parce qu'elle n'a peut-être pas pris en compte les greffons. Ouais, elle n'avait pas pris en compte les greffons. Donc là, je vais arrêter le massacre parce que la distribution commence à me sortir par les yeux. Voilà, donc ça va s'éteindre. Donc, désolé pour les aléas du direct, à partir du redémarrage et l'installation des dépôts testing qui sont apparemment indispensables pour avoir une Artix à jour. Ça fait mal. Que dire? Comme je dis un peu plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment le symbole même de l'ambition démesurée pour un tout petit groupe. Ils ont voulu forquer Arch, mais n'ont pas le personnel derrière pour pouvoir maintenir l'ensemble en route. C'est trop pour trop peu de personnes. Et là, je dois vous dire que j'étais à deux doigts d'exploser en vol, parce que ça commençait vraiment à m'énerver. Côté ergonomie, c'est pas ça. Les paquets qui manquent, les services qu'on peut pas lancer. Non mais comment dire? Si vous voulez de l'Open RC, par pitié, restez dans le monde Gentoo, vous aurez largement moins d'emmerdes. C'est le conseil que je vous donne. Voilà, j'espère que cette vidéo qui s'est malheureusement allongée vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!